Avis aux parents et aux instituteurs. Avant de se servir du plan, il convient de conduire l'élève sur quelques points élevés autour de la ville. De ces endroits, on lui fera observer la ville, le pays, avec nos montagnes qui le ferment au midi, depuis le Molaison jusqu'au Kukisberg. Ensuite, il faudra le placer à la chapelle de Lorette et plus haut pour lui faire remarquer la ville basse avec le cours de la rivière, puis la ville moyenne et la ville haute avec la contrée qui fuit au loin par derrière jusqu'à la chaîne bleuâtre du Jura. La ville basse est au fond dans la vallée de la Sarine. La vue de chacune est très bornée par les localités. Au-dessus de la ville basse s'élève la ville moyenne, bâtie sur un roc qui souvent est à nu. Elle comprend d'abord le bourg, c'est-à-dire tout ce qui environne l'église de Saint-Nicolas, entre les rames et le Grabenzal, depuis le haut du Stalden jusqu'à la rue du Pont. Notre ville est également dominée en partie par la Haute Croix et la Poya que vous voyez en haut du plan. Et il vous sera aisé de citer les quartiers qui sont plus bas que ces éminences. Enfin, la campagne hors de la porte de Bourguillon est très élevée. Nous y arrivons par Montorge, qui est une côte longue et rapide. De cette hauteur, l'œil plonge sur la ville et peut la découvrir presque en entier. Les voitures qui entrent par la porte de Berne et le quartier des Maréchaux font ce que nous appelons le tour des trois ponts et arrivent par la Grand-Fontaine ou Grand-Tilleul. Suivez de l'œil les détours qu'elles sont obligées de faire pour gagner la ville moyenne. Après ces petits voyages, l'élève prendra le plan en main et son explication. Tant qu'il peut s'aider de lui-même, il faut le laisser aller seul. De là, les questions sans réponse dans l'explication du plan. Vous avez sous les yeux Fribourg et ses environs. Un petit dessin pour une étendue assez grande. La ville prend le milieu du dessin. Toutefois, vous n'y voyez ni maison, ni église, ni mur, ni tour. Cependant, tout y est marqué. Fribourg est donc là, où vous voyez sur un fond plus clair cet amas de figures sombres plus ou moins grandes, plus ou moins longues ou larges, plus ou moins régulières ou irrégulières. Cherchez d'abord l'église principale, celle de Saint-Nicolas, et tâchez de découvrir toutes les autres. Les chiffres placés tout près et leur explication, qui est à l'angle gauche du plan, vous aideront dans cette recherche. Maintenant, il faut vous exercer un peu sur ce que vous venez d'apprendre. Placez-vous en pensée près du grand tilleul. Qu'avez-vous à l'orient ou à l'est, en ville et hors de la ville? Qu'avez-vous à l'occident ou à l'ouest? Pour répondre, aidez-vous du plan et ajoutez de mémoire ce qui est dans chaque direction. Qu'y a-t-il donc en ville et hors de ville, au sud et au midi du grand tilleul? Qu'y a-t-il en ville et hors de ville au nord ou bien au septentrion de cet arbre? Dans votre réponse, n'oubliez pas les montagnes de notre canton et la chaîne lointaine du Jura. Quittez à présent le tilleul, prenez quelque autre position. Placez-vous par exemple au fond de la rue de Morat, au collège, sur les places, sur les trois ponts, à la chapelle de Lorette. Demandez-vous dans chaque nouvelle position, qu'ai-je à l'orient, à l'occident, au midi, au nord? Voilà maintenant ce qu'on appelle s'orienter. Vous voyez que ce mot est pris du premier point cardinal, Orient. Les cartes géographiques sont toutes orientées comme notre plan. À droite est aussi l'Orient, l'Occident à gauche et ainsi du reste. C'est une chose convenue. Et les géographes n'écrivent plus les points cardinaux en marge. Ainsi, quand vous avez une carte géographique sous les yeux et qu'elle est bien tournée, vous êtes toujours au midi et en dehors des pays qu'elle représente. N'est-ce pas ainsi
que vous êtes placé lorsque vous étudiez le plan de Fribourg sur une table. Que si le plan et la carte étaient suspendus devant vous, alors le nord serait en haut et le sud en bas. L'est et l'ouest garderaient leur place. Cette position est un dérangement auquel on s'habitue sans peine. Dans la pensée, nous mettons le dessin à plat, comme est le terrain. Tout vous a paru bien petit sur notre plan, et vous avez eu de la peine à vous y reconnaître au premier abord. Ces arbres comme des têtes d'épingle, cette sarine pas plus large qu'un de vos doigts, ces églises quelquefois plus petites qu'un ongle, toute cette ville que vous couvririez presque de vos deux mains, enfin, toute cette étendue de pays réduite sur une feuille de papier. Cependant, cette réduction n'est encore rien auprès de celle qui a lieu sur les cartes géographiques. Un plan ne représente jamais qu'une petite portion de terrain, tandis qu'une carte de géographie, description de la Terre, offre à la vue de vastes pays et même quelquefois tous les pays et toutes les mers de la Terre. Notre plan environ une demi-lieue d'Occident en Orient. Jugez à quoi cet espace se réduirait si sur la même feuille de papier il fallait mettre 10, 100, 1000 lieues de pays et davantage. Les cartes resserrent donc et rapetissent prodigieusement tout. Bien plus, elles font disparaître tout ce qui n'est pas d'une grande étendue. Ainsi, sur une carte de la Suisse, notre Sarine ne sera plus qu'un trait de plume tortueux, et Fribourg une petite figure mise à cheval sur ce trait, ou même négligemment placée à côté. Les inégalités de notre terrain s'effaceront, et l'on ne verra plus que nos montagnes légèrement indiquées par leurs versants les plus raides que l'on ombrera un peu. Ce sera bien pis sur une carte qui devra représenter plusieurs centaines de lieues sur la même feuille. La Suisse s'y trouvera avec ses chaînes de montagnes, avec ses grands lacs et deux ou trois de ses plus grandes villes, mais point de Fribourg. Ceci peut blesser notre amour-propre, mais au fond, que nous importe le mépris des géographes si nous ne sommes pas réduits à nous mépriser nous-mêmes. L'idée d'établir un pont qui dispensa de descendre et de remonter dans la vallée de la Sarine est une idée ancienne. Elle est belle et grande, mais son exécution serait très dispendieuse. Il faut avant tout trouver les moyens et voir si les avantages balanceront les frais. L'emplacement dont il est à présent question est sans contredit le plus favorable à tous égards. Le pont en fil de fer, dont le dessin a été lithographié dernièrement, aura quelque chose d'aérien et de très pittoresque qui piquerait singulièrement la curiosité du voisinage et des nombreux étrangers qui, de toutes parts, viennent tous les ans visiter notre belle Suisse.